Ici le cinquième palier. Quelle joie, ça donne envie de danser. Et 1, et 2, et 3, et 4, tu bloques. Zut, il a pas regardé. Ça me revient tout à coup. Sur mon île, j'étais toujours avec Riku et Kairi, mais il y avait aussi une autre fille avec nous. Kairi? Axel? Une fille anonyme? Tu cherches à me provoquer? Crois ce que tu veux, mais c'est curieux, je l'avais complètement oublié jusqu'à maintenant. Comment j'ai pu lui faire ça? Eh bien, dis-toi que si tu ne te souvenais plus d'elle, soit elle n'en valait pas la peine, soit elle t'a oublié aussi, alors ça équilibre. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je vois. Ça valait bien la peine de faire tout ce cirque. Ça me rappelle le schéma du cours de SVT en 6ème avec les cellules. Ouais, moi je suis le globule rouge. Et moi le globule blanc. Et il faut détruire les vilaines toxines noires. Non à la cigarette. Ah, ça débouche les artères. Ah, ça m'embouche un coin. Bizarre, cet endroit est vide. C'est parce que normalement, nous aurions rencontré Pinocchio et Gepetto prisonniers ici, et qu'ensuite seulement, nous aurions dû se rendre dans les intestins monstrueux pour la faire éternuer, en détruisant plein de son cœur afin de les aider à quitter cet endroit. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais tant pis. Moi, je pense qu'on a sauvé la vie d'un pauvre fumeur et ça me suffit. Peut-être, devrais-je me jeter à l'eau. Ne prends pas comme ça, c'est pour rire qu'on fait exprès de t'ignorer. Ah, parce que vous trouvez ça drôle! Sera. Ça m'intéresse absolument pas, mais c'est qui cette fille anonyme dont tu as parlé tout à l'heure? Écoute, pour la dernière fois, quand j'ai dit que j'aimais le canard laqué, je ne parlais pas de toi. D'ailleurs, comment je pouvais savoir que tu mettais de la laque? Je sais, mais laisse-moi le temps de digérer aussi. Et puis je ne suis pas connu pour mon calme olympien. Ça c'est Droopy. Ah oui, c'est un oncle éloigné. Par contre, je n'ai jamais trop su quel genre de somnifère il prenait exactement. Mais revenons au sujet. Verbe complément. Donc, c'était une fille douce et calme. Et évidemment, à 5 ans, Riku et moi, comme on était des garçons, on était toujours en train de se battre pour rire. Et elle, comme c'était une fille, elle avait une activité pacifique. Les Barbies? La couture? Les Barbies? Le maquillage? Les Barbies? Les boutiques? Pour oser dire que les boutiques, c'est une activité pacifique, tu n'y es jamais venu un jour de solde. Elle dessinait. Tout le temps. Oh! Et elle dessinait bien? Et un jour, quand on était encore petit, elle a disparu. Ça vire au paranormal. Mais non, mais te fais pas influencer par la mise en scène du flashback. Il est un peu symbolique. Ah, c'est ça. Je me disais bien que c'était un peu glauque. Deux garçons et une petite fille, tout seul, dans le noir. Bref, un jour, elle est partie et on ne l'a plus revue. Voilà tout ce dont je me souviens. Je sens de la discrimination dans l'air. On est supposé perdre de souvenirs, mais sera son rappel de choses oubliées il y a longtemps. Pourquoi juste lui et pas nous? Parce qu'il est le personnage principal? C'est petit, ça! Ou alors, ça veut dire qu'il faut oublier pour se souvenir. Waouh! Faudra que je trouve le moyen de glisser ça pendant mon bac de philo. J'espère qu'il ira au rattrapage! Bon, il ne lui reste plus qu'une carte monde. Je vais devoir lui filer un nouveau paquet pour qu'il puisse passer les paliers suivants. Ah non, c'est à moi de faire la vedette, maintenant! Je vais y mettre le paquet, alors donne-moi carte blanche! Et vas-y, que je te caresse le menton et que je touche ton épaule. Arrête ça. Oh! Tu sais que c'est à cause de ce genre d'attitude que les fangirls se posent des questions sur ton orientation. Mais n'importe quoi. Un mec peut pas être très ami avec un autre mec sans qu'il y ait de la tension sexuelle. C'est aux gens de gérer les pulsions de leur imagination, pas à moi. Attention, tu te justifies. Et tu t'enfonces. Mon petit doigt me dit que c'est suspect. C'est pas que j'aime pas les femmes, c'est que tu n'es pas mon genre, blondasse. Bienvenue. Je suis Jack 1, et vous êtes dans la ville d'Halloween. Malheureusement, nous sommes envahis par les sans-cœurs. Voyez. Baston! Merci. Nous essayons de régler ce problème avec le docteur. Je vais le rejoindre dans son laboratoire. Venez nous aider. Jack a dit, suivez-moi. On le suit? Tu veux qu'on le laisse tomber? Mais on s'en fiche un peu de régler son histoire, c'est même pas le vrai Jack 1. Et comme ça, on passe direct au palais suivant. Et on ne culpabilisera pas. Parce qu'on aura oublié. Dans le vrai jeu, on pourrait pas faire ça. Oui, mais là, c'est une parodie. On pourrait même utiliser ces techniques pour les prochains mondes. Sauf qu'on l'aura oublié aussi. Ah, zut. C'est bon, Jack 1 ne nous suit pas. Oh! Elle porte peut-être la soutane, mais elle a pas l'air d'une sainte.
Les soutanes, ça n'a pas de capuche, espèce d'inculte. Je suis Larxène. J'adore casser au sens propre et au figuré. Je suis cruelle et sadique et je suis blonde. Je suis la fille cachée de Beatrice et Bryce. C'est cassé, là. Et tu sers à quoi? À gagner le César de la meilleure tragédienne. Ah, cruelle! Est-il temps de lui déclarer? Qu'as-tu donc fait? Hélas, elle s'est écruellée. Comment va réagir la pauvre fille dont tu ne te rappelles même pas le nom quand elle le saura, saura? De quoi? Tu veux dire qu'elle est ici? Oui, elle est au 13e étage, prisonnière de l'organisation. Ce sont les méchants et j'en fais partie. Mais si vous voulez m'empêcher de la retrouver, pourquoi vous me donnez des cartes pour que je puisse avancer dans le manoir? Ça ressemble à un piège. Tu réfléchis trop. Techno! Ne l'aidons pas à se relever! C'est quoi ça? Une étoile d'or? Mais j'ai jamais fait de ski. C'est un porte-bonheur que tu as oublié. On te l'a donné il y a longtemps. Alors, c'est qui? On... Namine. Voilà! Namine, c'est on, et toi, t'es con! La ferme! T'as pas le droit de m'insulter! Tu crois ça, son que tu es? Toi-même, saute! Pour une fois que tu es de conseil avisé, malgré ton accent débile. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois te filer un nouveau paquet de cartes créé avec tes souvenirs pour que tu puisses avancer. Tu n'en es qu'au 6e palier, et Namine est au 13e. Je sais compter, merci. Jusqu'à 6? Mais c'est que je t'ai sous-estimé. Au fait, je me suis amusée avec l'une de ces cartes, mais tu verras plus tard. À part ça, j'espère que tu rateras ton bac de philo. Espèce de... Attention, Sora! Tidus a une mauvaise influence sur toi! Oula, ça calme. C'est clair. N'en rajoute pas. C'est nous les méchants! On va tous vous tuer, c'est un innocent! Caraba la sorcière! Pourquoi es-tu méchante? Pourquoi es-tu méchante? Mais... tu es la voix du chapeau.